on passe au second plat. Et alors celui-ci, croyez-moi, spécial dédicace à Captain Ishiro, il a enflammé les fans de Mortal Kombat! Eh bien oui, la Warner Bros. A proposé le tout premier trailer du nouveau film de la saga Mortal Kombat. Je rappelle quand même, un jeu vidéo écoulé à plus de 46 millions d'unités à travers le monde, et le dernier opus en date, Mortal Kombat 11, c'est quand même 8 millions d'exemplaires. Alors, forcément, on se dit, Mortal Kombat, etc., bon, au cinéma, est-ce que ça va pas être tout moisi, hein, les précédents opus, à titre personnel, bon, je les ai pas vus, hein, mais ils m'avaient jamais trop fait de l'œil. Eh bien là, le film qui est attendu pour le 16 avril prochain au cinéma et sur HBO Max, du moins aux États-Unis, est réalisé ça par Simon McCoy. Bah, regardez les images, franchement, ça a l'air d'être très respectueux, en tout cas, du matériau initial, et en cela, bah c'est plutôt agréable, il y a des séquences très chouettes à l'intérieur, les fatalities sont de la partie. Ah oui, au cinéma, on se dit, oula, attention, est-ce qu'ils vont pas se prendre à plus 18 là, ou au moins un avertissement, les parents, attention, qu'est-ce qui se passe et tout. En tout cas, la bande-annonce est assez puissante, hein, fulgurante. Si vous désirez eh bien, voir la bande-annonce, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur la page, la chaîne de Jeux Vidéo Flash, ma chaîne secondaire, où le trailer eh bien, vous attend au chaud en intégralité. Faites-vous plaisir et écoutez bien jusqu'à la fin, pour les fans, la petite musique. Tun, 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 tun. Ouais, ça a l'air plutôt bien engagé, je dois l'avouer.